Bonjour, monsieur Moreau. Bonjour. Paraît-il que vous avez perdu des jumeaux dans des conditions extrêmement inhumaines Oui. au CHU de Cocody. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour nous dire ce qui s'est réellement passé? D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, il m'a donné la parole. Parce que là, j'ai très très mal. J'ai très mal. Voilà. D'abord, je lance un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire. Il lance un appel au ministre de la Santé. Il lance un appel au président de la République. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Nous souffrons beaucoup. Ce qui s'est passé au CHU avec mes jumeaux, et bien mes jumeaux, ce n'était pas une vie, une seule vie, deux vies. Nous sommes partis dans une clinique ici au quartier et ma femme était enceinte, mes jumeaux, 6 mois. La dame a regardé et a dit, ah, c'est... Ma femme avait un peu mal au bas-ventre, comme si le bébé voulait venir. Donc, elle a regardé ma femme et a dit que, je sais pas si je prononce bien, son col était en train de souffrir et on pouvait, comme c'est un petit coin, elle ne pouvait pas l'engagement de faire. Donc, elle va nous envoyer au CHU de Cocody pour faire, c'est pas un cyclage, un truc comme ça, pour fermer l'ovule, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous envoie au CHU de Cocody. Et arrivé là-bas, on l'a envoyé aux urgences gynécologie. Voilà. Et ils ont fait rentrer ma femme dans une salle, on m'a dit d'attendre. Donc moi j'étais au dehors. Et après le médecin est venu me voir. Il me dit, où est le papier qu'on vous a donné pour qu'on vous envoie ici? Donc j'ai donné le papier. Et après ça, ils ne m'ont plus rien dit. Ils m'ont plus rien dit. Ils n'ont rien dit à ma femme. J'étais là, j'attendais. Parce qu'après analyse, ils viennent vers moi pour m'expliquer, ah monsieur, voici le cas de votre femme, voici où c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensemble, moi, l'homme, c'est à moi de dire, ok, où c'est arrivé là, faites passer l'enfant, ou bien faites ça, ou bien est-ce que vous pouvez, il y a une occasion pour fermer la grossesse. Ils ne m'ont pas demandé tout ça. J'étais assis là-bas à la salle d'attente, ma femme m'appelle. Elle me dit, on m'a mis sous perfusion. Il dit, ah, Dieu merci. Pour moi, c'était pour calmer la douleur, puisqu'elle avait un peu mal au bas-ventre. Il dit, ah, Dieu merci. Déjà, ce qu'ils ont mis là, c'était pour faire passer les enfants. Sans mon consentement. C'était pour faire passer les enfants. Mes jumeaux, deux garçons. Depuis arrivé, les enfants sont sortis. Dieu merci, les enfants sont venus au monde vivants. Ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts. Ils pleuraient. Donc là, ils avaient besoin d'oxygène et de couveuse. Et la sage-femme envoie les enfants à salle d'accouchement. Elle me dit qu'on appelle le pédiatre, il ne décroche pas. Que c'est le pédiatre qui doit venir faire les analyses. Après analyse, pour voir s'il y a oxygène ou bien couveuse. Il dit, mais si ça ne nous passe pas, on fait comment? Elle me dit, ah, il ne sait pas, tu attends l'heure à laquelle il va venir. Il dit, non. Moi, je suis un peu en détresse. Il a vu le vigile qui était à côté. Il demande au vigile, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me montrer le bureau du pédiatre. C'est comme ça, le vigile me dit, monte au cinquième, docteur Sanogo. Je monte, je tape. Le monsieur vient, il me dit, il dit, il y a quoi? Il dit, ah, docteur, sauvez-moi. Il dit, on ne rentre pas ici. Il dit, docteur, pardonnez, là où je suis là. Moi, il ne sait pas qu'on ne monte pas ici. Mais là, mes enfants sont en bas. Ils disent que vous appelez, ne décrochez pas. Il dit, mais on t'a dit que je suis en haut là, je suis en train de m'amuser. Je ne sais pas que vous vous amusez, mais là, mes enfants sont là. Ils ont besoin de vous rapidement pour faire des examens, pour qu'ils soient sous oxygène. Le docteur est fâché, il a commencé à m'agueuler. Pourquoi je suis monté? C'est ça qui était son problème. Pourquoi je suis monté? Qui m'a laissé monter? Il va m'attendre, il descend et il va vraiment bavarder sur la fille de salle. Et il y a une fille de salle qui vient vers moi. Elle aussi énervée parce que son patron a bavardé sur elle.
Elle me dit, monsieur, pourquoi vous êtes monté? Il dit, mais attends, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est sur mes enfants ou bien c'est pourquoi je suis monté? Elle me dit, d'ailleurs même là, ton enfant, il y a un qui est mort, il faut attendre, deux heures va mourir, vous allez partir avec eux. Elle m'a lancé ça. Elle... Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'elle avait dit ça sur nous. Elle a enregistré ça. Il ne savait pas qu'elle avait fait ça. Elle a dicté. Elle n'a pas dit. Par manque d'assistance, par manque d'oxygène, j'ai perdu mes jumeaux. Cette vidéo-là, que je la fais, ce n'est pas pour moi. Je la fais, c'est pas. Mes enfants ne vont pas venir, c'est fini ça. C'est pour que ça change. C'est pour que ça change. Parce que nous, on n'a pas les moyens d'envoyer nos femmes, nos enfants dans les cliniques pour payer la caution de 2 millions, 3 millions. C'est pour que ça change. Là, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui la partagent au maximum, je dis bien au maximum, jusqu'à ce que le président de la République puisse voir lui-même ses propres yeux. Nous souffrons. C'est pas facile. Et on nous dit, au juste, c'est comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça, c'est la vie. Aux médecins, aux sages-femmes, vous avez fait de longues études pour les docteurs. Ce n'est pas pour avoir ce comportement d'animal, l'animosité là, dans les chinois. Ce n'est pas possible. Je demande pardon. Je demande pardon. Vraiment, l'État de Côte d'Ivoire, il prend au sérieux côté vraiment des hôpitaux. Les hôpitaux vraiment, surtout au Chili de Cocody là, au Chili de Cocody là, là-bas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'ai très très mal. J'ai très 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 mal. Et je sais que vous qui regardez cette vidéo là, il y a des gens à qui ont déjà perdu leurs parents dans ces mêmes conditions. Et ils n'ont pas eu le courage de parler. Et ça continue. Moi, je parle pour que ça cesse. Pour que demain, les enfants qui vont venir puissent être dans les bonnes conditions. Un grand chien comme ça ne peut pas avoir, d'oxygène, ni de couveuse. C'est compliqué. Vraiment, partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Je vous remercie.